message que Dieu veut nous donner. Message nous allons c'est le dernier message. C'est un message prophétique. Amen. Amen. Ça veut dire un message prophétique. C'est un message prophétique. Ouais, ça veut dire il y a préparation. C'est pour la préparation. Il y a deux Zoya. Pour l'année qui vient. Ça veut dire il y a deux Zoya barré. Les années qui viennent, les années qui suivent. Amen. Amen. Donc tu nous aimes beaucoup. Amen, le Seigneur. Thème de mission, les amis. Notre thème de ce jour. Occuper pays. Comment s'occuper d'un pays? Amen. Amen. On a posséder. Ou bien posséder un pays. Posséder un pays, voilà. Amen. Amen. Qui connaît que Dieu nous a appelés pour que nous allons posséder tout héritage de Sanzabe. Tout ce qui est l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Qui le sait, qui le connaît. Amen. Amen. Total est là une histoire, il y a pas en Israël. Nous allons voir aujourd'hui dans l'histoire des enfants d'Israël. Et on ne s'est pas vu aussi qu'en Égypte. Lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et a-t-il qu'ils vont pas qu'ils ne posséder. Lorsque les a dit aller posséder. La terre promise. La terre promise. Amen. Amen. Nous allons lire. La Deutéronome. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 1:8. Deutéronome 1:8. Ouais, c'est pour le temps, hein? S'il y a quelqu'un qui a réussi à venir, Deutéronome 1:8. Amen. Na pesi bino mboka wana. Boka mata yango, ekoma ya bino. Pamba te, ezali mboka oyo, na kate la kiseleka te, na kopesa, na bakoko na bino, Abraham, Isaac, Jacob. Te na bana na bango oyo bako ya si. Je lis en français. Amen. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Amen. Ah, tout ce monde a parlé d'Israël. Et c'est le problème des enfants d'Israël. Ça va se faire des de Mboka. Il a dit, je vous ai donné un pays. La paix de ma promesse. Et je vous ai promis. Qu'un et que vous irez. Fais bon soir, nous. Et que vous rentrez en possession de ce pays-là. Non, il y a dit que la Saint-Testament. Qui connaît que dans la Saint-Testament. Tout ce qui était compris. C'est un symbole pour le Nouveau Testament. Amen. Amen. Qu'on possède les animes. C'est quoi la possession? C'est la qui qu'on soit. C'est prendre quelque chose. Et comme ayayo. Et que ça devient pour toi. Amen. Amen. Ça veut dire aux yeux au nions. Et tu l'as réussi à tout en entier. Et qu'il puisse avoir leur héritage. Ça veut dire promis à Dieu là. Tu les as promis longtemps. Mais héritage voilà. Mais cet héritage là. Oui, il n'y a pas de coup. L'ennemi était là. Amen. Amen. Et là, vous avez appris mon cœur, peut-être qu'il de la mort. Et que Dieu les attendait, mais il faut qu'ils combattent pour un endroit. Non, il y a un de la et qui sait qu'il faut que nous combattons pour notre héritage. Amen, il y a un qui les connaît. Et ça, qui a pas c'était pour eux. Et c'est qui l'a tout et il y avait quelqu'un. Oh, avant d'aki. Qui était resté. Amen. Amen. Il a dit que vous ne serez pas en possession de ça. Amen, vous en côté. Vous ne saurez jamais la voir. Mais là, comment quoi? Mais une chose. Ce sont tout un niveau. Et si nous lisons cela, dans 4, la fête de Moses, 14:9. Dans Moses. 4, détourné. Dis-je détourné dans le Lévitique. 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 Je te mets sur toi, je te dis. Lévitique, oui. Fête de Moses. Oui, oui. Les fêtes de Moses, les Lévitiques of Torch, c'est ce que. Troisième Lévitique, quatrième. Et non, pas le nombre, c'est un nombre. Nombre. Troisième Lévitique, alors nombre. Nombre. Nombre 4. Voilà. Verset. Verset 14, 9. Nombre 14. Mm-hmm. 4. Nombre 14, 9. Voilà. Nombre 14, 9, ok. Mm-hmm. Quoi, c'est quoi, hein? Boko Kamata et Lama, la Mozambique, 14.
14 Kasi babanga ki bato ya mboka yango te tokolonga bango na mbala moko pamba te nzambe oyo azalaki kobatela bango asunduli bango nzoka nde Yawe ajali na biso bongo babanga bobanga bango te. Je lis en français. Amen. Seulement les saints points rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Nous ne craignons point. Amen. Amen. Et qui parle ici? Les ennemis. Qui étaient debout dans ce pays-là? Ils n'ont plus de protection. Ils connaissent que l'ennemi n'a plus de protection. L'ennemi qui te combat. Il n'a plus de protection. Ça va éviter que le consoir a perçu à Bissot. Dieu veut que nous puissions alors rectifier. Ça veut dire que nos codes héritables dans ces cas. Nous allons dans la nouvelle. Bissot, on a une alliance. Nous avons la même. Nous sommes dans l'alliance. Moi, nous avons toujours été en bas d'Israël. Et c'est que nous voyons les enfants d'Israël. Nous avons une alliance abrahamatique. Ils étaient dans l'alliance abrahamatique. Oui, c'est quelle alliance ça c'était l'ancienne alliance. Bissot, qu'on a le Nouveau Testament. Nous venons dans le Nouveau Testament. Et ça d'abord ça les lambo. Et lorsque Jésus-Christ s'est passé. Et à tout le monde, lorsqu'il a soulevé ça. Il a dit ça, c'est une nouvelle alliance. Et les qui alliance à Kala. Et ça fait partie de l'ancienne. Et les qui ont la musique. Ça ne passe plus loin. Tu peux dire ça à la maison. Ah, c'est pas ça, mais ils ont alliance, ils ont une fondation et la promesse à Sika. Et l'apôtre Paul dit que c'est une alliance qui a des nouvelles fondations. Et là, qu'on a fait ça, la fondation m'a cassé. Oui, toute chose, il faut qu'il puisse avoir une fondation solide. Fondation qui est ça, la différence. Mais c'est la fondation qui fait la différence. Par moi, il y a la fondation abrahamatique. Et ils étaient dans la fondation abrahamatique. Ils sont dans la fondation, il y a la fondation de Jésus-Christ. Ça veut dire que vous avez droit qu'on possède. Amen. Pour le posséder. Amen. Ça veut dire que vous avez qu'on possède. Amen. Que nous avons c'est l'année de posséder. Tout ce que l'ennemi nous a fait. Pendant qu'on possédait ma promesse, ça m'a fait ça. On a consommé les promesses que tu dis. Côté l'amour. Amen. Le mal a continué. Je ne vais pas te donner. Pendant que l'amour m'a possédé ma promesse. Je suis en train de posséder les promesses. Eh bien, maintenant, je vais te montrer là. Et lorsque ces gens sont allés croire le pays là où vont habiter. Tu as dit, c'était Josué et Caleb. Parce qu'ils 12. Ils étaient 12. Mais quand Josué et Caleb m'a bon à Kavo. Josué et Caleb, ce sont eux qui ont. Pourquoi seulement ce le père se marquait? Parce qu'ils étaient prêts à posséder ce pays. Les autres ont eu peur. Ils ont dit non. Papa n'a qu'il a gouné. Ils ont eu peur de l'ennemi. Et Josué et Caleb. Et bien Josué et Caleb. Dieu nous a donné ce qu'on se voit. Nous sommes pas à la montée. Alléluia. Qualifié. Je cherche chacun au papel. Allô, du bazar. Amen.
Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a les Josué et les Caleb ici. Si vous lisez cette histoire. Lorsque Caleb est arrivé à 80 ans. Il avait toujours la force. Dieu lui a laissé avec la force. Pour vivre ma promesse, toutes les promesses que Dieu lui a données. Et quand tu as pris, tu seras en force. L'ennemi ne peut rien voler. Caleb 80 ans. J'ai la force du Dieu m'a laissé vivre maintenant. Dieu cherche les gens qui vont posséder. Amen. Amen. Il faut que tu sois gentil. David a l'homme à Goliath.
David a tué Goliath. Et ce que nous voulons de l'ennemi, c'est notre identité, notre vérité. C'est la première des choses. Il faut posséder l'identité dans la Christ. Il faut que tu possèdes ton identité en Christ. Vous savez qu'est-ce qui se manque dans le Christ? Est-ce que vous avez la Christ? Tu sais qu'est-ce que tu es dans Christ? Amen. 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 Christ. Tu sais qu'est-ce qui est dans Christ? Il faut que tu connaisses ton identité. David a connu son identité. Si tu te convertis, Alléluia. Il faut que tu possèdes ta vérité, ton identité dans Christ. Et lui, il reconnaît ça dans sa identité. Amen. Celui qui sait qu'il est l'enfant de Dieu. C'est le goût. Alléluia. Amen. Amen. Le combat va se souter. Alléluia. Moïni. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Pourquoi tu rêves toujours mal? Possédez ma note en haut. Je ne me puissance. Possédez tout tes domaines. Possède dans tout le monde. On peut dire que la boîte de l'autre de mon côté. Vous pouvez rien laisser à l'ennemi. Amen. Amen. Bakale Bazawa. Est-ce qu'il y a un problème ici? Oh, il m'a posé la cagnos. Il possède tout. Possédez mon okonayo. Possède ta bouche. Ça veut dire, oh, on l'a et ça, c'est la moïté. Quand tu as dit, moi, il y a un soir, tu as mon okonayo. Tout ce que tu parles, c'est la voix à mon sabbé. Et que ce qui sort de ta bouche soit spirituel. Et c'est dans les domaines et bénéfices qu'on possédait. Il y a beaucoup de domaines, il faut que. Maman, je manque. Et ça qui m'a payé, mais maintenant, on paye dans pays, dans pays. Ça, il recevait pays par pays. Et ça qui m'a domaine, ma domaine, ma région. Il y avait des domaines, des régions. Amen. Amen. Balon du Basalia. Amen. Est-ce que les guerriers sont ici? Amen. Balon du Basalia. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Balon du Basalia. Amen. Vive le vie à son ami, puisque le vainqueur. Amen. Il reconnaît qu'elles sont plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'il y a une casse à Balogi. Amen. Ils sont dans l'équipe à Logi. Alléluia. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. La casse à Balogi. Parmi les vainqueurs. Nous, les autres, sont vainqueurs. Et si tu veux
dit que je vais vivre ça, tu es dans la volonté de Dieu. Pour ta consulté. Que personne ne te mord. Pour ta bâti, oh non, 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 et c'est belé. Et que personne te dit non, non, c'est lié. Ça va, mais ça vise au nios, ça peut être tous au nios. Et tu nous envoies tout pour que nous le fassions. Mais la bise, c'est Jésus. Et là, qu'on dit ça, on peut s'habituer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, mon Père, quoi. Maintenant que vous êtes en train de vous faire.